Yo la team Puma, j'espère que tout va bien. Nous voici dans une deuxième vidéo avec la demoiselle. Vous avez vu la vidéo où on avait pu conduire, quelle moto d'ailleurs, tiens? La quoi? La 125. C'est ça, 125, 125 CBR. Est-ce que tu as déjà conduit ce genre de moto? Non. Une fois peut-être? Ouais. Vite fait quoi? Ouais. Et sur de la terre, t'as jamais fait? Non. Bon bah ça va être drôle. Et ben on va commencer sans plus attendre. Tu montes dessus, tu la démarres. Allez, vas-y, vas-y. Non. Ouais, ouais. Mets-la là, mets-la là, vas-y. Attends. T'as pas oublié quelque chose? Ah, c'est bien. T'en recules un peu, sinon tu vas kicker sur la mienne. Ça peut être drôle, non? C'est vrai. T'en avances là un peu, t'es un peu trop loin de moi. Je vais te... Alors vas-y, monte dessus. Non. Non, non, pas la béquille, pas la béquille. Vas-y, tu montes dessus comme une moto normale. Déjà. Sans, je te dis rien. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? Attends, il est où? Là. Faut faire quoi alors? Là, faut le mettre. Là, vu qu'il est le... la jauge d'essence, le truc d'essence. Le quoi, le truc d'essence, le là. Truc le truc d'essence, bah alors mets le truc d'essence. Le robinet d'essence. Le robinet. Donc là, il est allumé. Il est vers, tu l'as mis vers où? En haut, en bas, à droite, à gauche? Tu l'as mis droit? Comme ça. Nice. Après non, vache kick. Vache kick. Non, t'as oublié autre chose après. Le truc, le tartare. Le tartare. Tu peux mettre le tartare en haut, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre le tartare en haut, s'il te plaît? Oui. Parce que sans tartare, ça... En haut ou en bas? T'as un peu de pain pour mettre du tartare dessus? Bah, tu le lèves. Attends. N'oublie pas quelque chose. Tu ne mets jamais de coup de gaz. Non. Tu enlèves ton coupe-circuit. Voilà. Et une fois que tu as... Dès que la moto est démarrée, tu relâches ton kick. Tu ne le laisses pas en bas, d'accord? Et tu ne mets pas de coup de gaz. Ok? Lève-toi et un grand coup. Attends. Allez, faut appuyer. Allez, ton poids sur le truc. Ah, c'est pas un trampoline. One Eternity Lighter. One. Mais c'était pas compris. Mais t'as essayé de faire quoi? Allez, force sur la jambe. Donne un coup de jambe. Vraiment. Un... Ah. Oh, ah. Là, je m'en niquer la cheville. Là, c'est ce qu'on appelle un retour de kick. Ça c'est rien. T'en as deux. Je suis. T'inquiète pas. Déjà, fais comme ça. T'auras plus de force. Appuie un coup, un petit peu. Là, tu sens un moment de point dur. Ouais. Donc là, maintenant, tu relèves un peu ta jambe. Et tu donnes un coup. Allez, remonte encore. Remets un coup de pression pour être. Voilà. Quand tu sens que c'est dur, là, t'appuies fort. Ah, encore un coup. Vraiment plus d'énergie. Énerve-toi. Ouais. Tu descends. Là, tu vois, tu sens que ta truc, elle est là. Tu vois, il faut que tu mettes un. Mais elle coule pas. Je sais pas pourquoi parfois elle le fait ça. Je l'ai fait redémarrer un peu. Donc là, normalement, elle est chaude. Donc là, tu peux normalement de base kicker comme ça. Donc tu remets le kick. Plus vite. Ouais. Vrai, faut aller plus vite. Tu vas pas assez vite. Faut vraiment descendre d'avec. Eh ben, décidément, les gars. La vidéo va durer une heure et demie, je pense. Hein. Une demi-heure de kick. Allez. Hop. Tu t'équiperas juste après. Je vais juste voir si tu sais à peu près avancer. Donc, tu fais quoi? Tu embrayes. Oui. Tu passes ton pied en haut, un coup, t'as la première. Voilà. Fais attention, t'as les gaz. Donc, relâche doucement. Doucement, doucement, les gaz. Doucement, les gaz. Doucement. Parce que là, t'allais partir tout droit, là. Ouais, ouais, ouais. Ça va être long. Cette vidéo là, ça va être dans la haie, les gars. Je le sens, mais direct. Arrête, pas de malheur, wesh. Bah, si tu vas dans la haie, je rigole. Hein. Doucement, les gars, doucement. Voilà, doucement. Maintenant, embraye. Embraye et freine. Voilà. Je croise les doigts pour que, au moins, la mienne, j'ai installé ça, les gars. Compteur d'heure YCF. Parce que le problème, c'est que bah, quand je faisais mes vidéos, je prêtais les motos à droite à gauche aux potes. Et à moi d'ailleurs aussi. Et en fait, je me dis, bah, toi, t'as roulé 15 minutes, toi, t'as roulé 20. Et puis, j'ai additionné, mais c'était pas trop fiable, tu vois. Donc, finalement, compteur d'heure à fil, donc je l'ai fait passer. Et en fait, il faut faire plusieurs petits tours au niveau de ton cap de bougie ici. Moi, c'est ce qu'on m'a dit de faire. On démarre la mienne. Oh là là là. Accélère un peu. Elle fait des mini wheeling. C'est bien, c'est bien. Doucement sur les gaz. Mets un petit filet de gaz. Eh ben ouais. Pour le moment, ça va d'être pas trop mal. Oh là, j'attends qu'elle... Parce que ça, c'est un coup. Est-ce qu'elle mette un bon coup de gaz? Faut qu'elle arrive à mettre la deuxième. Alors, c'est sa toute première fois en cross. Hein. Oh là là, oh là là. Un peu de gaz, un peu de gaz, un peu de gaz. Allez là, tu me montres que tu sais faire là.
Allez. Ouais, lâche le kick. Bravo. Ah bah voilà, enfin. Doucement les gaz. Elle a enfin réussi à kicker, ça c'est beau. Faudrait qu'elle se mette en deuxième. Elle accélère. Déjà, il n'y a pas. Elle a pour moi pas fait un tour sans tomber. Faire attention, parce que la dernière fois, il y avait Océane qui était tombé comme un chamallow là. Alors là, je m'arrête. Je veux juste rigoler vite fait. Ça va le faire ou pas? Oh! Oh! Mais bravo! Allez, maintenant, mets la deuxième! Accélère, accélère, accélère! Voilà! Voilà, là, ça va un peu plus vite. Tu seras un peu plus à l'aise. En fait, le problème, c'est que quand tu roules trop lentement, bah en fait, tu déjà de 1, la une est très vive. Et là, c'est bien, là, déjà, ça roule beaucoup plus rapidement. Hein. Allez. Après, moi, je vais refaire des petits jumps ici, les gars. Là, il y a plus d'aisance, là. Ça commence à s'habituer un peu, là. On va faire plusieurs tours, de toute façon. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vraiment, mais je le dis à chaque vidéo les gars, mais le 190 Daytona, ce moteur est insane. Hein. Oh, pff, oh, pff, je regardais mon pied. Tu vois, quand t'es en deuxième, ah bah voilà, va falloir re-kicker. Perturbé, là. Regarde, franchement, le deuxième tour, très bien. Tu vois? Et il faut juste que tu arrives à faire quelque chose. T'as remarqué qu'en deuxième, c'est plus simple quand même. Hein? Tu vois, plus tu vas vite en cross, plus t'es stable. Enfin, en cross, en pit bike, en ce que tu veux. En gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu accélères en 1 doucement, mais tu accélères un peu. Hein. Faut que tu prennes un peu de vitesse. Faut pas que tu fasses genre 1 et 2 tout de suite. C'est pas, y a pas de couple là-dessus. Tu te mets en 2, une fois que t'es en 2, tu roules un petit peu plus vite. Et ce qu'il faut que tu t'entraînes, c'est pas du tout comme une moto de route. Quand tu fais un virage à gauche, ta jambe, tu la tends et tu vas sur la gauche. Tu sors ta jambe. Là, ta jambe, regarde, tu la mets là et tu la passes devant. Tu vois, il faut que tu la... Genre, tu mets ton pied là, quand tu fais un virage à droite. Parce que tu verras que ça te stabilisera plus, en fait, quand tu feras ton virage. T'as pas peur en bosse? C'est bon? Bah, c'est que c'est bien. Franchement, c'est bien. Oublie pas le point de compression. Si tu kicks dans du vide, ça fera rien. Faut qu'il y ait le point de compression. One eternity later. Ah bah en même temps, t'as mis deux pulls. Elle a déjà avoir froid. Elle a mis deux pulls. Hein. Il y a le mat racing, il y a l'ordre piment dessous, les gars. Allez, énergique sur le kick, énergique. Oh là, bah, attends pas. Ah bah j'ai failli embrasser ton arrière-train. Les gars, marquez-moi dans les commentaires si vous aussi, vous êtes galérien land pour kicker ou est-ce que vous, genre, coup de kick, bam, ça démarre. Moi, je vais être honnête, moi, je suis un galérien pour kicker. Hein. Wouhou! Tché, 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 tché. Je laisse prendre un peu d'avance. Il est au ralenti ou quoi? Ah, il fait des slow motion. Bon, attends, je vais la rattraper. Ah, peut-être mettre la première quand même. Bah, vas-y, avance. Hein. Je te laissais aller. Ah, bah, tu vas tourner. Hein. Faut que tu arrives à savoir faire. Tu mets du gaz et n'oublie pas, tire un peu en 1. Et mets la 2 tout de suite après.
plus tu seras en deux, plus tes gaz seront stables. Mais c'était quoi ce bordel? Session raccourci. Nous avons cette demoiselle qui a décidé de faire du stunt avec un niveau de chouf. Alors explique-moi rapidement, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris une montée, j'ai accéléré en fait et j'ai fait une roue arrière et je suis tombée en fait sur la roue avant et j'ai la moto qui s'est mise sur le côté et je suis tombée actuellement sur la hanche et sur le poignet. Mais finalement tu es debout, vivante, là. Je douille quand même. Mais par contre, parce que bon, c'est une petite chute. La demoiselle a réussi à tordre le premier guidon. Félicitations. Donc elle a tordu le guidon ici, c'est venu taper en fait. Bon, la moto, je l'ai essayé les gars, elle tourne, il n'y a pas de problème, tout marche impec, sans problème. Mais le guidon est tordu, donc quand tu roules, t'es un peu en mode bicyclette sur la droite et VTT sur la gauche, tu vois. Donc ce qu'on fera, c'est que je vous ferai une vidéo 2.0, voilà, changement de guidon, comme ça, ça fera un tuto pour quelqu'un qui veut le savoir le faire. Donc on changera ce guidon-là, YSF va m'en envoyer un autre. Quand vous avez vu sur la vidéo, on l'a vu partir, elle est bien partie, hein. Après, on a entendu le bruit. J'ai mal atterri en fait. Moi, j'ai eu un petit problème sur la mienne. Alors, comme quoi, les gars, c'est un peu la vidéo finalement où voilà, on a eu des petits soucis. Et en fait, trop aspiré de flotte là-dedans. Je suis passé dans une grosse flaque. Et en fait, la moto, le filtre air, il est en mode Bob l'éponge. Donc, je vais le changer et le nettoyer. Parce que je l'ai démonté avec Alban. On l'a démonté, nettoyé, démarré la moto sans le filtre air. Et la moto marche impec. Et dès que tu mets le filtre air tout dégueulasse et puis blindé de flotte, ça refait pareil. Donc faut que je change le filtre air. Mais sinon, en tout cas, voilà, on vous en refera encore d'autres vidéos. Il n'y a pas de souci, ça va refaire. Elle va remonter dessus afin de faire enfin des vrais tours. En jump si tu veux, mais tu retombes sur les deux roues cette fois-ci. J'essaye. On va essayer. Mais voilà, bon, pour une première, franchement, ça va. Je pense qu'il fallait avoir une chute au moins. Oui, au moins je suis baptisé là. Là, t'es baptisé. Donc ouf. Maintenant, tu sais que t'es tombé là et les autres. Je vais tomber sur toutes les autres bosses. Comme toutes ça, les autres bosses. Bon, voilà. Bon, fin mot de l'histoire finalement. Quand le tartare, ça, le tartare. Le tartare. Le tartare, il est enlevé. La moto, elle marche bien. Non, sinon, franchement, les motos, elles ont bien tourné. On n'a pas accéléré de ouf. C'était pas vraiment une session à fond les ballons. Mais ça viendra, voilà. Bon, c'est des petites chutes, choses qui arrivent. De toute façon, c'est fait pour. Hein. Mais par contre, solide, hein, parce que la moto, là, vous avez vu, quand t'en arrivais, faut le coucher. Et comment t'as réussi? Attends, hé, Alban, la moto, elle était couchée comme ça. C'est ça. Là, t'enlèves la béquille, elle était couchée comme ça. Ouais. Comment t'as fait pour plier le guidon droit alors qu'elle est tombée comme ça? Non, je suis tombée comme ça et j'ai la moto qui est comme ça. Non. La moto était dans quel sens quand on la rattrape, je sais plus. Non, elle était côté pot. On est d'accord. Regarde tout le truc. Elle est dégueulasse. Elle était donc là, ça c'était dans l'autre sens. Ah, d'accord, ok. On est d'accord. Et finalement, en fait, t'as rien cassé, hein, mis à part juste tordu le guidon qu'on changera. La moto, elle a rien. J'ai pu tourner avec. Regardez, pour vous montrer que quand même ça démarre. Moi je dis premier coup de kick, il y arrive. Premier coup de kick. Il n'y arrive pas, on parie. Attends, premier coup de kick en croisant les bras. Ah, le bat. Fin mot de l'histoire. Alors, finalement. Ouais. Bon, allez les gars, abonnez-vous les gars, bientôt les 300 000, merci Alban. La prochaine fois, Alban, il va rouler avec nous. Et puis on change tout ça, et puis c'est reparti, let's go. Allez, bisous, ciao.